Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du multitâche sur l'iPad et notamment de la fonction Split View. Lorsque vous voulez utiliser deux applications côte à côte, on a vu dans la vidéo précédente que vous pouvez utiliser Slide Over, mais pour un travail on va dire un peu plus long qui exige deux applications en même temps, l'idéal c'est d'utiliser donc la fonction Split View. Revenons un instant juste sur le multitâche, donc lorsque vous faites glisser votre doigt du bas de l'écran vers le milieu à peu près, vous avez toutes vos applications en cours d'utilisation qui s'affichent. Et comme je l'ai dit précédemment, il n'est plus nécessaire de les quitter de façon compulsive. Vous pouvez donc les laisser comme ça et c'est l'iPad qui gérera, c'est lui qui va quitter les applications que vous utilisez le moins. Cette fonctionnalité sert surtout à quitter une application qui serait plantée. Par exemple, si l'application podcast ne répond pas correctement, vous allez la faire glisser vers le haut et là, vous la quittez réellement. Donc, vous fermez l'application et vous pourrez ensuite la réouvrir et l'utiliser. Et le bug que vous avez rencontré ne sera certainement plus présent. Avant de commencer, allez dans les réglages. Vous allez sur écran d'accueil et dock ici. Et dans multitâche, vous vérifiez que les fonctionnalités liées au multitâche soient bien activées pour pouvoir faire ce que je vais vous expliquer tout de suite. Le mode Split View donc vous permet d'utiliser deux applications en plein écran. On va par exemple ouvrir l'application Mail. Je vais ensuite afficher le dock, donc je fais glisser mon doigt du bas de l'écran vers le haut. Et je vais par exemple ouvrir l'application Photo que je souhaite mettre donc en vue partagée. Donc je vais glisser ici. Et au lieu de le déposer comme ça, comme on l'a vu précédemment, pour utiliser Slide Over, je vais aller à droite. Et comme vous le voyez, l'écran me laisse de la place et me permet donc d'avoir mon écran partagé à égalité entre mes mails et les photos. Je peux très bien faire glisser le trait noir ici en fonction de la place que je veux accorder à telle ou telle application. L'intérêt, si j'ai beaucoup de mails à faire, c'est que je vais pouvoir créer un mail et je vais pouvoir ici glisser une photo dans un mail sans me préoccuper de faire ajouter une pièce jointe, etc. Je peux vraiment faire des glisser-déposer, donc que ce soit avec des photos, que ce soit avec des liens ou toute autre chose que vous pouvez récupérer et faire glisser. Si vous voulez remplacer l'une des applications, vous allez réafficher le dock. Par exemple, là j'avais besoin d'une photo. Si maintenant j'ai besoin d'accéder à une pièce jointe, je vais prendre une application et la poser ici ou ici. Je peux ainsi régulièrement dans la journée changer l'application qui partage l'écran de mail ou de toute autre application. Lorsque vous n'avez plus besoin d'utiliser Split View, vous allez glisser votre doigt sur la barre ici et donc on va dire éjecter l'application que vous ne voulez plus utiliser. Donc par exemple là, si je ne veux plus utiliser Fichier, je vais aller ici vers la droite et seul Mail apparaît. Voilà comment utiliser la vue partagée, donc Split View sur l'iPad. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !